Hey, salut tout le monde et on se retrouve pour le second épisode de cette découverte du nouveau jeu de Eversim qui s'appelle 4ème génération Warfare. Alors, narcissique. Très sensible à la fratrie, il aime se mettre en avant, il est aisé de lui soutirer des informations. Merde. Ouais, pour un chef des armées, c'est un peu con, moi. Putain, ils sont tous introvertis, hein, ça pue, hein. Psychopathe. Les actimaux, en vrai, ouais, on va prendre un psychopathe aussi. Il est là! Yes, allez, coucou, très bien, il va me dire bonjour, je vous aime. Bon, un vient d'être nommé, ok, très bien. Alors, toi, tu viens du QG de la défense. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Se mettre en relation, construire un camp militaire, décréter la loi martiale, accéder au serveur, transférer un contact, faire une demande de mariage. Oui, il y a plein de trucs que ça peut être bizarre, mais... Pot de vin par transaction financière, se rendre dans un lieu, prendre un objet, gérer les effectifs de l'armée. Non, on va pas faire ça. On peut faire plein de choses, hein. Se mettre en relation, faire une conférence. On va accéder au serveur. Oh, c'est trop bien, on a les partis politiques. Oh, mais c'est trop bien. Est-ce qu'on peut accéder au serveur de... Non, on peut pas faire ça. What? Oh. Oh, ça je ne savais pas. Je découvre en même temps que vous. Espion. Waouh, l'espionnage. Processus. Non, ça ira. Mais c'est de la merde. Attends, j'ai fait que ça. Du coup, lui, il a regardé les serveurs. Ok, bah super, hein, fin du tour. Ah, ils ont fait des actions, du coup, les autres. On va regarder les actions. Bonjour, Ménéral, je vous contacte car notre nation cherche d'évoquer sa... Non. Pourrions vous passer comment une dizaine d'avions de chaise. Nous attendons votre réponse. Proposition. Ok. Alors, pour Cyberne, loyal. Ah, ça, c'est bien. Il nous faut un mec loyal. Colérique. Pour un espion, c'est pas totalement le truc. Un espion, c'est pas trop colérique. Du coup, non. Ah, c'est trop bien, ça. Bah, du coup, mon chef des armées... Tu vas te rendre dans un lieu. Tu vas te rendre aux Émirats Arabes Unis. Hop là. Ça lag un peu. Il est où le mec des Émirats Arabes Unis? Ah bah c'est malin. On sait même pas où il est. Ah non, c'est le Koweït. Oh, je suis con, j'avais pas vu. Du coup c'est bien le chef militaire, ok. Allez hop. Ah putain, faut que je refasse. Toi, va dans un lieu. Oh, on peut vendre du matériel. Ah oui, ok. Trop bien ça. Du coup, on va faire un petit coucou au Koweït. Oh, c'est trop bien. Oh là là, mais c'est trop bien ça. Donc tu veux quoi? Alors il veut des chasseurs, il m'en a dit qu'il en voulait 10.
Par contre, on va mettre un peu plus cher, hein, faut pas abuser. $450 million l'unité. Voilà. Est-ce que je peux faire encore une action avec lui? Ah non, il s'y rend directement. Ah, il s'y rend. Mais regardez sa tête. Excellent. Mais c'est trop bien parce qu'il l'amène en avion. Trop bien ça. C'est excellent ce jeu. Oh là là, quel jeu, quel jeu. Du coup, on peut voir ce qu'ils ont fait. Créer un faux d'accès, recherche un contact diplomatique. Sont dans un lieu. Créer, rejoindre une planque. Ok. Ça, c'est des espions qu'ils ont mis. Du coup, on peut suivre un peu ce qu'ils font. Hein. Lancer une cyber attaque. On a fait plein de choses comparé à eux. Donc, on a plus de points de score. Du coup, on a fait ça. Alors, toi. Toi, lancer une campagne de recrutement de cyberanalystes. On va encore en créer une. On va en prendre un de Bordeaux, allez, parce que j'adore Bordeaux, parce que c'est ma ville. Du coup, notre cyberanalyste. Hacker un dispositif. Analyse un très bien. On va renforcer le dispositif. Oh, en vrai, ça peut vraiment être pas mal. Il est où le QG du parti de la formation centre? Ouais, je crois que c'est nous, c'est la formation centre, on est bien d'accord. On va surveiller les... On peut pas faire un truc pour l'Elysée? Garden Party. Lol. Mais du coup, on peut faire quoi avec lui là? Ça m'énerve. Explique-moi, on peut renforcer où? C'est que dans les maisons qu'on peut faire ça? Ah non, c'est ça du coup. Mais non, j'ai fait les catholiques! Quel idiot! Oh putain. Étape échouée. Ah merde. Ah, mais c'est une grosse merde. Mais c'est pas possible. À Bordeaux, il y a Poutou. C'est vrai. Lexa, c'est un nouveau jeu. C'est un nouveau jeu, c'est normal. C'est un nouveau jeu de Eversim. Coucou Geoffroy. Souci que tu me fasses un avion de chasse pour moi car marre des bouchons. Yes. Mais non, il a réussi. Putain, j'ai renforcé la sécurité. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Au moins on teste. Au moins on teste, c'est cool. Ah, en plus il est bien logé le mec, tranquille, ça va. Du coup on va nommer un nouveau ministre aussi. On va mettre un ministre de l'intérieur. On va mettre un mec assez... Non, pas autoritaire, mais une femme assez charismatique. En plus elle est mariée, du coup c'est cool. Ça n'a strictement rien à voir, je suis en train de faire de la merde, mais... A commencer, très bien. Ok. Du coup, il y a qui que je n'ai pas fait d'action? Yes. Alors, il y a qui que j'ai pas fait d'action? Alors, lui, je l'en ai fait une. Il a reçu une nomination, super. Ravinel, il l'a fait. Lui, il l'a pas fait. Mais si, mais il est en train d'y aller, du coup, c'est con. Du coup, madame, vous servez à quoi, vous? Oh! Faire une visite au cabinet psychiatrique. Alors ça doit servir à un moment donné, j'en suis quasi sûr.
Ouais, on va mettre en place un peu plus de surveillance. Un réseau de surveillance. Vas-y, on va en mettre un là. Fin du tour. De toute façon, je peux pas faire plus de tours. Le coronavirus est une invention des Américains pour tuer la planète. Sauf eux pour qu'ils aient le pouvoir sur cette planète. Ouais, tu pars un peu loin là. Ouah, l'Iran! Ils ont fait quoi? Ah, ok. Contrat économique. Ah, d'accord. Quoi, on peut gagner des points par rapport à ça? Tout. Putain, y a rien. C'est de la merde. Y a rien en actualité. Ça pue la merde. Putain, moi qui croyais ouvrir le menu d'action. Ouais, ben, c'est ce que je faisais, hein. Attends, Ah. Mais ça marche pas. Oh, il y a un concert. Acheter, vendre. Placer un... Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Non! Tu fais quoi là, mec? Bah j'y suis, je fais comment du coup Ouais bah j'appuie sur lui, je peux rien faire. Oh putain. Faire un coup d'état. Oh, ça a l'air trop bien, il y a plein de choses. Bon du coup je peux rien faire pour lui. Macron il a reçu un petit mail. Ouverture d'ambassade. Ouais, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Alors, il est où Mitron? Oh, mais ça change à chaque fois, c'est trop bien. Menacé de mort. Ouais, du coup, Mitron, comment on ouvre... Ah, mais c'est le ministre de l'Intérieur, non, qui fait ça? Oh, ta mère. Je veux pas faire ça, moi. C'est toi que je veux. Oh, ma belle, ma douce. Ça n'a pas trop l'air d'être ça. Hein. Attendez, il faut que je nomme encore un ministre, je me rappelle. J'ai pas fini, moi. Mais oui, c'est les affaires étrangères. Comment voulez-vous que j'ouvre des ambassades si j'ai pas un ministre des affaires étrangères? Peu expérimenté. Colérique, narcissique. Charismatique, on le prend. Même s'il est célibataire. Aïe, aïe, aïe. C'est pas une bonne chose, ça. Il est célibataire. Allez, salut, toi. Alors, pour ça, je crois qu'il faut qu'il ait un diplomate, du coup. Du coup, on va lancer une demande de diplomate. Ok. Web. Ouais, ok, on s'en fout. Merci pour le poste. Merci. Nouveau profil pour le machin. Alors,
créateur de sites pirates. Qualifié. Ah, c'est pas mal. Ah, parfois ça peut changer du coup. C'est intéressant. Ok, on accepte. D'accord. Mais comment les Américains ils nous ont dépassés en plus? Alignement diplomatique. Les points de score varient en fonction de l'importance des pays avec lesquels les alignements ont changé. Donc d'habitants, de la stratégie économique et de la stratégie du pays. 1% avec les États-Unis est supérieur à 1% avec l'Islande. 20 000 points totaux au score. C'est trop dur. Mais c'est trop dur. Mais c'est dur ce jeu. Bon, il me reste lui, mais je peux rien faire. Ah, oui. Mais il a toujours pas trouvé d'espion, putain, mais c'est pas possible. Bah tu vas créer un faux badge d'accès. Non, pas ici. Je souhaite quitter Paris, comment on fait? Oh putain, j'ai plus l'habitude. Ouais, c'est là. Faudrait que j'ai l'habitude, hein. Faudrait que je joue un peu plus à ce jeu. Mais je vous rappelle que je fais une découverte, du coup ne me tapez pas pour ça. Du coup, on va créer un faux badge et on va aller en Iran. Il nous faudrait cabinet. Ouais, ça va être ultra... En fait, je crois que plus c'est rouge, plus c'est complexe. Place de la nation. Ça va être super simple. Hein. QG militaire, mosquée. Bon, on va tenter l'immeuble de la télé. S'il y arrive, c'est un génie. Oh, il a réussi. Bien joué. Bien joué. Ah, mais j'ai elle. Ah oui, coucou, toi, du coup. Non, du coup, tu vas plutôt te rendre dans un autre lieu, toi. Tu vas voyager, tu vas aller en Iran. Ok, ça a l'air simple. Tentative d'intrusion nécessaire. Ok, ça a l'air assez simple. Centrale énergique. Oh! Ok. Du coup, on va aller... Où est-ce qu'on pourrait aller? On va pas aller directement dans la capitale qui est Téhéran. D'ailleurs, il a disparu, la capitale. Bah, elle est où, la capitale? Ah, on peut pas aller en capitale, d'accord. Ça fait quoi si on va ici? Ah voilà, du coup c'est un peu plus complexe d'entrer ici. Ok. Ok. Antenne d'un ministère. Oh go, on va aller dans une antenne de ministère. Ça pourrait être intéressant. On va sortir. Du coup, on a un mec qui enfin une meuf qui va partir, voilà, qui va partir en route. Trop bien ça. Les Russes qui me dépassent. Hmm.
Ouais, bah le problème c'est que je peux pas tout faire. Nouveau profil pour le plus de diplomates. Perspicace, on prend. J'accepte. Ok. Du coup, c'est con parce que je veux faire un contrat, sauf que j'ai pas de diplomate. Il est où mon diplomate? Il est là. Du coup, il est où mon ministre? Demander un soutien en Francis. Mais attendez, mais il est où mon ministre de la diplomatie? C'est lui. Et tu peux pas ouvrir une ambassade? Rechercher un contact diplomatique. Koweït. K. Oh là là, mais c'est trop dur ce jeu. Enfin, il y a trop de trucs à faire. Je suis à votre disposition. Très bien. Bon, pourquoi elle a son téléphone qui fait bip bip bip? Ah, t'es trop une merde! Ah, ça c'est con! Aïe, coup dur! Coup dur pour le joueur français! C'est intéressant. Du coup, on va prendre un peu Monsieur Macron. Macron, alors, qu'est-ce que tu peux faire? Ok, de toute façon, t'as tout nommé. Du coup, quelles seront tes actions? Je crois qu'on va te laisser un petit peu tranquille, Macron, parce que tu pues un peu. Ah, alors, peu expérimenté. Elle est rusée, ça prend. Ça, on prend. Alors, le mec par téléphone, contrat refusé. Petit cadeau. Non. Jamais. Définir le budget de l'État. Ah, c'est ça. Du coup, ok. Du coup, dépenses publiques en milliards. On va le mettre comme ça. Est-ce que je vais me faire enculer par le jeu? 40% de popularité. Ok. Ah, je suis à moins 1000. À la merde. Ça craint ça. Bon bah tant pis. La population quoi? Je vais revoir les news. L'impression de discussion de a été très mal reçue par la population selon les instituts de sondage qui prévoient un impact négatif, significatif sur la popularité des gouvernants. Oh là là, c'est bon. Hein. Et ils sont jamais contents. Oh là là. On va demander une enquête financière. Du parti de la coalition. On va faire une petite enquête. Pas normal. Étape échouée. Ok, mais y a rien eu. N'a rien révélé. Soit il est blanc comme neige, soit c'est un expert en détournement financier. Pourtant, il est bon, hein. Il y en a un que je connais, enfin qu'on connaît tous en France, il est assez bon, hein. Alors, toi.
Toi, oui, toi, là. Toi, mon petit mec. Ah, mais toi, t'as déjà fait ton taf, ok. Est-ce que. On va aller hacker un petit dispositif. On va pas aller en Russie parce que ça va être chaud. Par contre, je me concentre sur l'Iran, moi, du coup. Ok, on peut pas hacker ça. On va tenter de hacker ce petit truc. Écoutez, on teste. Hein. Hacking, ok. Oh, très bien. Oh, le mec, c'est un génie. C'est un génie. Qu'est-ce que... du coup, mon agent secrète, elle est où? Elle est là. Oh là là, regardez cette dame. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh yeah. Espionner un bâtiment, créer et rejoindre une planque. Tu viens de me faire une petite planque. Tu viens de nous faire une petite planque en Iran. Fin du tour. Pouette. Ok, ils ont pas gagné de points. Oh là là. Vous savez, les bombes nucléaires, bah dedans, il y a des Kinder Surprise. Putain, mais what the fuck. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous dites n'importe quoi dans le chat. Oh. Excusez-moi, la VOD, il faut que je coupe. Du coup, c'est la fin de l'épisode 2 de ce magnifique... De cette magnifique découverte sur le nouveau jeu de Eversim, qui est 4ème génération Warfare. On se retrouve pour la suite de la découverte. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, bien évidemment. Et on se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde!